Ok, donc voilà. Ça, la faille, c'est la 24 news. Je pense que beaucoup de mes amis ici, mes confrères, hésitent pour parler de la VAR. Aujourd'hui, notre confrère a parlé s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné aujourd'hui à cette CAN, Jamel. Moi, aujourd'hui, je pense sincèrement que la VAR n'a pas fonctionné. Elle était absente quand il s'agissait de l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que la CAF, à un moment donné, a quelque chose là-dedans? Merci beaucoup. J'ai pas revu Alors, je peux vous dire, il y a une action de Slimani qui était super nette, qu'il y avait un pénalty. Non, donc je vais répondre. J'ai pas vu les images, donc je peux pas en parler comme j'en ai parlé sur le match. J'ai bien compris la question. Donc je peux pas en parler maintenant parce que j'ai pas encore vu les images. Je peux parler que d'un truc que j'ai vu. Donc sur le match du Burkina Faso, on a clairement Bardad qui est ceinturé et ça fait la différence. Ça fait la différence chez l'adversaire puisqu'on a pris sur les trois buts qu'on a pris entre le premier match et le deuxième match, trois buts ont été vérifiés à la VAR. Donc ça fait carrément la différence. Nous, il n'y a pas de VAR qui est vérifié sur ce deuxième match. Apparemment, pas de VAR se vérifier sur ce dernier match. Les joueurs me disent clairement, et ce n'est pas des gamins, comme tu as dit, Islem Slimani, il y a faute ou il n'y a pas faute. Il me dit comment tiens. Ça, c'est un constat. Ça, c'est sûr et certain que de notre côté, elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné, la VAR. Ceci n'explique peut-être pas tout, mais en tous les cas, sur cet aspect-là, quand nous concédons sur les buts, trois buts qui ont été validés par la VAR, à vous de faire les comptes. Maintenant, si vous voulez être aveugle, moi, par contre, j'ai vu quelque chose sur le terrain, et je ne veux pas, vous avez parlé de ça, je continue. Quand je vois. Moi, la ligne appartient aux arbitres, au quatrième arbitre et aux entraîneurs. Quand je vois le président de la fédération qui vient tout le match haranguer l'arbitre et qu'on lui dit, mais vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de faire et que tout le monde m'esquive, tout le monde fait semblant de ne pas comprendre, l'un après l'autre, je l'explique à tout le monde à l'extérieur, sur le terrain, en rentrant dans les coulisses, j'explique ça à tout le monde et tout le monde fait semblant. Où on a vu dans le monde. Dans le football mondial, un dirigeant descendre, parler avec les arbitres de touche, et ils font comme si de rien n'était. Donc, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez S'il vous plaît, s'il vous plaît. تابعونا على المواقع التالية.